Donem ara, sisplau, la benvinguda i ens agradaria que pugessin a l'escenari el senyor Patrick Bourgeois, del Réseau de Résistance Québécois, del Quebec, i en representació en la lectura del poble d'Euskadi, el senyor Andreu Major. Bien bonjour du Québec, bon dia. C'est la troisième fois cette année que je suis ici en Catalogne, dans votre magnifique pays, par solidarité indépendantiste. Je suis venu ici pour vous donner un petit coup de pouce des Québécois, pour vous dire que ce que vous êtes en train d'accomplir, ce que vous êtes en train de faire, pour nous, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est important. Pour le Québécois que je suis, c'est un honneur d'être en Catalogne. És la tercera vegada que vinc a Barcelona aquest any i sempre que he vingut m'he trobat amb molta felicitat. És per mi un gran honor de poder donar-vos un ajut en la vostra lluita per la llibertat, la dignitat i la independència des del Quebec. Jour après jour, alors que je suis ici chez vous, je me rends compte que nous avons des débats qui se ressemblent, hein? Au Québec, en Catalogne. Disons que la marche vers l'indépendance, ce n'est jamais facile. Mais surtout, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a toujours des gens à quelque part qui tentent de nous faire croire que l'indépendance, c'est impossible à accomplir, que ça ne peut pas arriver en Catalogne ni au Québec. Vous devez comprendre, nous devons comprendre aussi au Québec, que tout cela est faux, faux, faux et archi-faux. Nous sommes des millions au Québec, en Corse, en Euskaria, en Catalogne, à rêver de liberté, de dignité pour les peuples sans État. C'est possible d'avancer vers ce beau rêve et nous avons raison de rêver à un avenir meilleur pour les peuples qui sont soumis à des systèmes politiques asservissants. Molt sovint ens volen fer creure que nosaltres som els últims del món, els darrers del món a esdevenir i a conquerir la independència. Nosaltres, això que ens diuen és fals, 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 archifals. Nosaltres som milions al Quebec, a Còrsega, a Escòcia, a Catalunya, que volem esdevenir en un món millor on tots els humans puguem assolir els nostres pobles amb sistemes polítics democràtics, la independència i ser solidaris entre nosaltres. Très souvent, au Québec, je dois vous l'avouer, vous confier ce secret-là, on se sent seul hein, sur notre continent entouré d'une mer anglo-saxonne. Et lorsqu'on vient ici en Europe, lorsque je me retrouve parmi vous, chez vous, je suis très heureux de voir que cette solidarité indépendantiste peut exister. Elle existe déjà entre vous, entre les peuples en lutte d'Europe et les Québécois. On veut participer à cela. Parce qu'avec la solidarité, en travaillant tous ensemble, nous cheminerons plus facilement et plus rapidement vers notre rêve commun qui est de retrouver notre liberté. Nosaltres, des del Quebec, ens volem solidaritzar amb tots els pobles sense estat que democràticament estem emprenent el camí amb totes les dificultats per aconseguir la llibertat de les nostres nacions. Au cours de la dernière année, j'ai agi à titre d'observateur international, beau mot pour dire que je suis venu vous apporter notre solidarité, ici, lors de vos consultations. Et ce que j'ai vu, lorsque je vous ai vu travailler pour la liberté, lorsque je vous ai vu vous battre, lorsque je vous ai vu rêver et continuer d'y croire, tout cela m'a remonté le moral, m'a donné le goût en tant que Québécois de continuer à lutter encore plus fort pour l'indépendance. J'ai vu au cours de la dernière année que la Catalogne a tout ce qu'il faut pour devenir un pays libre et parler d'égal à égal sur la scène internationale, pas grâce à des partis politiques en tant que tels, mais parce que le peuple est fort, parce que vous travaillez bien et continuez d'agir ainsi, vous êtes sur la bonne voie, selon moi. He estat present en diferents consultes a títol d'observador internacional i he vist la vostra moral, he vist el vostre treball, he vist la vostra neguit, la vostra il·lusió per aconseguir la independència realitzada democràticament. És un camí que ja sabeu que estarà ple
d'embolics i que vosaltres anireu superant amb la vostra determinació. Vous êtes fort et vous devrez continuer de l'être parce que ceux qui nous font face, autant au Québec qu'ici en Catalogne, ne nous font jamais de cadeaux. Vous êtes en train de vivre des événements qui nous sont familiers au Québec. Nous, c'était en 1990, l'échec de l'accord du lac Minge. Le Canada nous a dit, vous n'existez pas et on se fout de votre langue, comme Madrid est en train de vous dire par l'entremise de l'Estatut. Alors, il est clair que Madrid et Ottawa mènent un combat similaire, ce qui fait que nous, Catalans et Québécois, sommes frères dans la lutte pour la liberté. Els quebequesos i els catalans són germans a la nostra lluita, doncs, talment com a vosaltres us passa al Canadà, ens diuen que els quebequesos no existim i malgrat tenir una carta semblant a l'Estatut que teniu vosaltres, ens trobem en totes les dificultats per poder desenvolupar la nostra identitat nacional. Com vous le savez très certainement, au Québec, nous avons déjà fait deux référendums. Le seul petit message que je peux venir vous porter ici aujourd'hui, c'est de demeurer vigilant. Parce que ce n'est pas parce qu'on a le droit d'organiser un référendum que tout est réglé. Vous êtes en train de réclamer le droit d'obtenir un référendum, et c'est tout à fait légitime. Lorsque vous l'obtiendrez, ce droit-là, ne fermez pas les yeux, ne baissez pas la garde. Ceux d'en face, à Madrid comme à Ottawa, triche toujours pour nous empêcher de gagner. En 1995, lors du référendum sur l'indépendance au Québec, les indépendantistes ont gagné. Mais parce qu'Ottawa a manipulé le vote, de toutes sortes de façons, notre victoire a été volée. Alors demeurez vigilants. Vosaltres, els catalans i catalanes, heu de ser vigilants, heu d'estar vigilants en aquest camí, perquè de la mateixa manera que a Ottawa o a Madrid ens posen dificultats a vosaltres, els quebequesos, i a vosaltres, els catalans i catalanes, pel camí de la independència. Per tant, no podeu baixar la guàrdia, heu de continuar endavant amb tota la il·lusió i la mateixa estructura democràtica que us heu autoatorgat. En terminant, je tiens à souligner que le combat que vous menez pour l'indépendance, bien sûr, nous l'appuyons, nous, au Québec, parce que nous aimons voir les peuples se libérer. Mais vous devez aussi comprendre et prendre conscience que le combat que vous menez dépasse vos frontières. Une Catalogne libre permettra aux autres peuples soumis de marcher plus rapidement vers la liberté. Nous avons besoin d'un exemple fort en Occident qu'il est possible de vaincre des pays comme le Canada, l'Espagne ou la France. Votre indépendance facilitera la nôtre et celle des Basques comme celle des Corses. La vostra indépendance facilitarà la nostra i la de d'altres nacions sense estat i, per tant, nosaltres ens solidaritzem amb la vostra treball, amb el vostre combat i la vostra lluita per la Catalunya independent. Canada no és... Québec no és Canadà, Catalunya no és Espanya. Visca la independència, vive la independència, vive la Québec, visca Catalunya lliure i gora un calorí estatuta. Merci. Perquè amb aquesta intenció hem vingut des del País Basc. Els problemes de gent ens han obligat a abandonar-vos fa pocs minuts. Però a través d'aquesta breu nota volem fer-vos arribar el següent. En primer lloc, des d'Euskal Herria, l'Esquerra Abertzale us envia una càlida i solidària abraçada. Euskal Herria i els països catalans... Euskal Herria i els països catalans són dos pobles en plena lluita per la recuperació dels drets arrabassats pels estats espanyol i francès. La partició dels nostres pobles durant segles no ha aconseguit assimilar-nos. Les nostres cultures i identitats nacionals no han estat ni seran dissoltes en l'Espanya imposada. Però per això ha arribat l'hora de trencar les amarres amb l'imperialisme espanyol. Som, per tant, pobles diferents, però amb un problema idèntic, i això estreny els nostres llaços de solidaritat. Per altra banda, us volem enviar un missatge d'ànim i suport total a les iniciatives que esteu duent a terme.
Quan es compleix un any de la primera consulta popular per la independència a Arenys de Munt i quan el vostre exemple s'ha estès a desenes de municipis, queda en evidència la vàlua de la iniciativa. L'esquerra Verzale ha seguit de prop aquestes consultes, estan present en moltes d'elles i la nostra valoració és molt positiva. L'esquerra Verzale fa molts anys que lluita denunciant davant del món la conculcació dels drets bàsics que com a poble ens corresponen. Però l'estat espanyol és un estat buit de principis democràtics que mai no ha sabut respectar la voluntat popular. L'estat espanyol no és un estat democràtic i l'hem de posar davant del mirall de la comunitat internacional com allò que és, un estat poc democràtic. En aquest sentit, considerem efectives les consultes populars, ja que amb elles es podrà demostrar la seva falta total de voluntat i es podrà mesurar el seu veritable nivell de democràcia. Tot i així, doblegar l'Estat no serà fàcil, i és per això que us animem a seguir lluitant per l'alliberament del vostre poble, impulsant tantes iniciatives com pugueu desenvolupar. L'esforç no és en va. Els símptomes de debilitament del marc constitucional imposat són cada vegada més evidents. Ho estem aconseguint i un dia els nostres pobles recuperaran la sobirania que un dia els va ser arrabassada. Endavant, ánimo et aurrera. Visca la terra lliure. Gora Euskal Herria, escatutat.